On est frustré, on est très déçu dans le vestiaire. Après voilà, on est quand même fier de ce qu'on a fait en étant en demi-finale d'Europa League. Après voilà, c'est vrai que on est un peu abattu par rapport au résultat. Et voilà, après il y a un match dimanche. Voilà, il nous reste un point pour garder cette quatrième place et il faut se concentrer là-dessus. C'est vrai que ça va être compliqué, mais voilà, après on est professionnel, on se doit de se concentrer sur le prochain match. Après, c'est vrai que c'est très difficile dans la tête quand même. On espère aller au bout de cette compétition. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. On espère faire mieux la prochaine fois. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop de précipitation? On a le sentiment que vous n'avez jamais vraiment mis en place votre jeu ce soir. Pas forcément. C'est vrai qu'il fallait imposer un certain rythme pour emmener les supporters avec nous, emmener tout le monde avec nous. Après, c'est vrai que par moment, on a manqué de maîtrise. Mais voilà, c'est le jeu qui nous a demandé ça ce soir. Mais voilà, après, c'est vrai que sur certaines actions, ça nous a apporté défaut. Mais on est très content de ce qu'on a produit ce soir quand même. Un bilan très mitigé, voilà. Depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire une mi-temps sur deux. Après, on va essayer de corriger ça, l'année, surtout pour la saison qui arrive. C'est vrai que cette année, on a beaucoup tapé sur les défenseurs. Mais voilà, faut voir l'ensemble des actions. C'est vrai que défendre à 4, c'est dur. C'est vrai que voilà, après on améliore ça au fur et à mesure des matchs. Mais voilà, on va essayer de rectifier ça pour l'année prochaine et faire mieux pour avoir une place dans le top 3 l'année prochaine. Alexandre était très déçu, il voulait aller jusqu'au bout de cette compétition. Après voilà, on avait pour objectif de se qualifier en finale, ça n'est pas arrivé malheureusement. Et voilà, comme lui comme tous les autres, on est un peu déçus.